Eh bien, nous nous retrouvons pour ce 9e épisode de Sport Aventure Galactique. Donc, ça fait une semaine donc que je n'ai pas tourné, résultat. Donc, je suis désolé pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés à l'épisode 7 et 8. J'espère que pour l'épisode 9, tout devrait bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 8, quand mon disque dur encore saturé, évidemment, comme d'habitude? J'ai pris la colonie, donc cette colonie-là, qui nous produit de l'épice verte. Je vais m'en approcher. M'en approcher. J'ai déjà oublié les commandes du jeu, hein. Comment je me rapproche de... Quoi, moi? Ah oui, c'est ça, c'est ça, d'accord, ok, oui, ça y est, je me souviens. Autant pour moi, donc voilà. Donc là, on a reçu de l'épice verte et ma colonie, j'ai qu'à cliquer sur la map. Voilà, donc j'ai cette colonie que j'ai pu un petit peu faire avancer, étant donné que la planète est en T1. Ah oui, c'est mon allié, autant pour moi. C'est vrai que j'ai un allié avec moi. Et ici, on a quelque chose. Donc on va aller voir. Ok, va falloir que je traîne non plus. Alors, hop. Ok. Donc nous allons continuer notre aventure. J'ai également diminué le son du jeu, vous l'avez certainement entendu. Donc pour que ce soit un peu plus audible. Alors, je voulais retester la téléportation. Ok. Ok, d'accord. Ok, donc c'est vraiment des planètes bien spécifiques. Le truc, c'est que j'ai des drapeaux un peu partout, donc on va retourner voir les fameux drapeaux que l'on a. Notamment ici. Alors, ici. C'est quoi ici? Donc on a pareil, des gisements d'épices. Ok. Bon. Point de vue militaire et alliés, tout ça. Donc on avait donc il y a plusieurs axes commerciaux. On en a visiblement que deux. Celui-là, je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'on avait ouvert un acte commercial ici? Ou je dis n'importe quoi? Non. Fébera, c'est ma colonie. Donc il y a là et ici. On avait ouvert un axe commercial ici, non?
D'accord, c'est bizarre, apparemment les relations se sont affaiblies. Et donc j'ai des axes commerciaux qui se sont rompus depuis la dernière partie. Ce qui est dommage. Donc on va essayer d'en ouvrir d'autres. Plus proche peut-être. Pareil. Donc le truc, ça va être qu'il va falloir casquer. Ouais, et puis là c'est les mêmes en plus. Ouais, bah non, on va plutôt prendre des planètes beaucoup plus proches. Je vais voir où en est les autres axes commerciaux, ceux qui sont en cours. Savoir celui-ci. Donc ça, ouais, d'accord. Donc ça avance pas très très vite. Ici. Ça c'est les jaunes. Ok, d'accord, donc ça. Donc on est en axe commercial énormément avec les jaunes. Je pense qu'on ferait mieux de continuer avec les jaunes. Avec les très jaunes là. Donc on va continuer avec eux. Ce sera d'après moi beaucoup plus simple. Voilà. On a ouvert un nouvel axe commercial avec eux. Donc là, on en a trois d'ouverts. Hein. Si je compte bien, donc on en a. Donc il y en a une avec cette planète. Notre planète mère. Communique avec cette planète-là, cette planète-là et cette planète-là. On va voir si on peut aller jusqu'à celle-là. Et si on peut ouvrir un axe commercial également avec eux. Ok, donc là j'en ai trois. Donc je peux ouvrir que trois axes commerciaux simultanément. Et ici il y a une autre planète également. Ah bah oui, c'est celle avec laquelle on a actuellement un accord commercial. Donc on peut pas faire plus de trois accords commerciaux simultanés. Je retourne à MDG World. Ça me pose problème. Alors réparer, ravitailler, commerce. Ok, donc j'ai des choses. Donc ça déjà. Très près. Ok, donc ça peut être un objet pour faire des. Ça peut être un objet intéressant pour faire de la. Comment dire? De la diplomatie. Est-ce qu'on se refait une colonie? Ou est-ce que. C'est quoi ça? Rayon de joie. Améliore les relations, l'espace. Avec l'espèce qui habite sur la planète. Ok, d'accord. Tu as un générateur d'atmosphère, voilà, un générateur d'atmosphère. D'accord. Donc on va économiser un peu. On va économiser un peu. De toute façon, voilà. Au revoir. Alors, niveau. Il faut gérer une planète. Donc, je peux éventuellement également coloniser une nouvelle planète. Une planète ennemie. Ouais. Tiens, j'ai un nouveau trophée. Voyageur régulier. Ok, d'accord. Donc on va aller voir nos ennemis. Donc là on est à 9 parsecs et ici on est à 9 parsecs aussi.
29, c'est celle-là la plus proche. On va aller... Allez, on se dépêche. Et voilà. Bon. On va voir un petit peu ce que nous donne la planète ici, parce qu'apparemment il y a quelque chose. C'est là. Buste 2, il y en a. Ok, d'accord. On va voir un petit peu si ça a eu des impacts. Ouais, ça a eu un impact. Ok, d'accord. Ok, donc là on a un problème, c'est qu'en attaquant ça, ben, on s'est pas fait des amis, quoi. Mais, encore une fois, on va casquer. Et on va bien réussir à les à apaiser nos amis. Bon, tant pis, hein, je casque. Hein. Tant pis, je casque. Ça m'a coûté cher, mais j'ai récupéré, résultat, une nouvelle colonie assez lointaine. Bon, pour le moment, on est un petit peu... Donc, eux, c'est vraiment sur la sellette. C'est à chaque fois qu'on va... Parce qu'apparemment, il y a vraiment une alliance entre ces trois-là. Ce qui pose problème. J'entends un bruit, j'entends que ça saute de temps en temps. Je sais pas, ça fait un pop-pop, comme si mes... Comme si ma... Comme si mon haut-parleur sautait, mais apparemment ça fait partie du truc. C'était bizarre. C'est quoi ça? Ok. Bon, juste je vais me faire ravitailler. Voilà. Et ça, cette mission-là m'ennuie. Apparemment elle a bugué, donc... Je l'annule. Oui. Je veux effacer cette mission. Bon, bah les missions ont bugué. Donc bon bah ça fait rien, hein. On va continuer un petit peu l'aventure galactique, et puis c'est tout. On va essayer... Ouais, l'Empire... Ouais, non, mais le résultat, le peu qu'on va... Ou alors, on va négocier avec eux, là-bas. Mais le problème, c'est s'ils ont jamais... Si jamais ils ont d'autres ennemis, mais... Ouais, non, ça ira. Allez. Attendez une minute. Ouais, ok, d'accord. On va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau cette planète là-bas là. Alors c'est chiant qu'on soit obligé de faire plusieurs sauts pour se rendre à un endroit quand même. Bon, ça nous force à explorer quoi. Qu'est-ce qu'il y a par là? L'épice, ok, d'accord. Ah,
Allez, hop, on se prend une mission. Non, celle-là, c'est la mission principale, je peux pas l'effacer, mais le problème, c'est qu'elle bug. Alors, enlever la créature dénommée Kalen sur la planète Denazo. Le système solaire. C'est un peu incompréhensible, mais de toute façon, on va avoir le suivi de la mission. Ou pas. Bah, c'est bon, une œuf, je l'ai. Et donc, c'est la planète. Donc, c'est ça. En fait, c'est juste à côté, quoi. Tiens, il y a quelque chose. Ouais, mais je vois rien là. C'est quoi? Merde. La flotte est pleine, bien sûr. Bah écoute, je sais où c'est, j'y reviendrai. Non, 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 attends, attends, attends. Mec? Non, ouais, non, attends, attends. Hop. Non, c'est pas là. On va retourner. Allez, sors de là. On va juste retourner ici et voir combien. Ouais, mais non, le verre, il veut pas nous l'acheter, c'est lui qui le produit. Communication, tala, commerce. Ouais, non, il achète que dalle, lui. Au revoir. Le mieux, ça reste notre maison mère, quand même, quoi, au niveau... Voilà. Je veux dire, là... V'là la thune. Alors c'est quoi ça? D'accord. Oh. Ça c'est vraiment plus de thunes, hein. L'épice. Mais bon. Allez. Au revoir. Apparemment on a gagné un badge pour le pognon. Je regarde les axes commerciaux où est-ce qu'ils en sont, hein, à chaque fois. Donc... On va retourner à Febrina là, puis on va améliorer un petit peu le truc. Alors, on va aller hop, près de la colonie. Et on va basiquement y balancer. Je peux pas le déposer ici. Ça, par contre, pareil. Donc, ici,
Comment ça, un indice trop bas? C'est le Dante 1, les mecs. Bon, faut vraiment que j'améliore ici, en fait. Alors, il me faut de la sécheresse et de l'atmosphère, hein, de toute façon. Donc, est-ce qu'ils ont ça ici? Non, ça c'est baissé. Donc, il faut un générateur d'atmosphère et un truc de sécheresse. Mais le truc de sécheresse, apparemment, ils l'ont pas. On va prendre ça, hein. On peut en acheter deux en plus. Pour 300. Allez. J'ai des omnivores dans ma... Non, j'ai des carnivores. Ok. Ah. Il se passait quelque chose là quand j'ai posé là. Ok. D'accord, ok. Ah. Ok, en fait il me fallait un carnivore en plus. Bon, j'en pose le... Bah je vais tous les poser, hein, de toute façon. Là en fait j'ai validé. Là en fait j'ai validé en fait la planète en fait. Parce qu'il me fallait un herbivore, un. Enfin il me fallait tout quoi. Donc là, je vais pouvoir, voilà, améliorer mes habitations. Donc évidemment je vais reprendre hein, le. Hop. Je vais reprendre les maisons que je m'étais créées moi-même, mes créations. Voilà. On valide. Les complexes. Donc enfin cette colonie va pouvoir être productive. Putain, pas trop tôt. Et désolé pour le gros mot. Ouais, je reprends mon architecture. Je pourrais reprendre celle de Maxis, mais. Mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici, on va pouvoir mettre un complexe. Ouais, donc on va faire ça. On va mettre une usine ici. Donc pour le moment, les gens seront heureux. On va remettre une usine ici avec une maison. Et on va bien pouvoir remettre quoi? C'est tout? Ok, donc là ça me produit 48 par heure et les gens sont pas plus heureux qu'ils sont malheureux. Ça me va.
Et pour les autres, il me faut que j'augmente encore le T. Ah non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Non, les colonies achètent leur propre véhicule, ouais, donc... Bah, c'est tout. Ok, nickel. Allez. J'ai eu une alerte. Ok, d'accord. Ok, donc c'est bon, j'ai réussi ma mission. Je veux étoffer notre empire. Ah ouais, bah les âges commerciaux. Apparemment, j'ai déjà ma limite d'axes commerciaux, alors... Bon, on verra quand on en aura rompu une. Donc... On va voir avec eux. Ou eux, là. Eux, ils ont pas d'axes commerciaux. Allez, on va voir si on peut ouvrir un axe commercial avec eux, mais ça m'étonnerait. C'est bon? Non, c'est pas... Ah d'accord, ok, ils nous ont donné une mission pour... La mission, c'est rendez-vous à l'Amador. Ramenez-nous le Lamador de la Géandre. Allez, une petite aventure! Une petite aventure galactique, ça faisait longtemps. Eh ben, c'est génial ça! C'est génial. Attendez, mon micro était peut-être un petit peu près de ma bouche. Oui, je tenais à vous dire, je m'excuse pour les problèmes de l'épisode 7 et 8. Vraiment. Dans Zaza! D'après la légende, un lama en or massif serait caché ici. Trouvez-le, puis ramenez-le au point d'extraction d'un seul morceau. Oh. Oh. Oh oui. Oups, 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 oups. Attaque, attaque, attaque. Ok. Oups.
Ok. Là, je suis pas. Défoncer. Ah, c'est bon. Ah oui, mais d'accord, ok, j'ai de la vie ici. Ok. Alors ma créature, le problème, c'est que voilà, elle est pas facilement maniable. Le problème, c'est que voilà, elle est pas forcément maniable, donc je vais essayer de ma ok, on va essayer de l'autre côté. Scripté! Il y a un mur invisible! Oh non! C'est démoniaque! En fait, j'ai qu'à marcher dessus en fait. Ok, j'ai. Je viens de comprendre que je pouvais marcher, que je pouvais marcher dessus, ça marchait. Utiliser les gemmes pour ouvrir l'ancienne porte. Ok, d'accord. Alors l'avantage d'avoir des ailes, c'est ça quand même. Ok, c'est un clic gauche qu'il fallait faire. Les gemmes sont comme les clés pour des pour ces dentelures. Ok. Bien ce qu'il y a de l'autre côté. Plus d'ennemis, bien sûr. Attaque! Oh putain! Il est en train de te grignoter le cul, quoi! Bon.
manque un. Hop. Putain, mais attaque! Oh non, mais je te jure, allez! Il se traîne. Le problème, c'est que ma créature se traîne. Mais... ça t'abrutit. Allez, t'as des ailes, putain, allez! Ça sert à quoi que je t'ai donné des ailes si tu t'en sers pas? Bon. La dernière est par là. La dernière est là. Ok. Il y a une sorte d'inscription, ça ressemble à un avertissement, c'est difficile à déchiffrer. Le gardien vous surveille. Ce n'est pas le moment de se dégonfler trouvant de l'amador. Oh non, 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 non. La loi numéro 1 dans les labyrinthes? Non. Mais... putain, puis la caméra... allez, la caméra! Non, bah je suis mort là. Putain, mordu par des araignées quoi. C'est mon pire cauchemar en plus. Ouais, je suis mort. Resterez-vous piégé dans ces ruines jusqu'à la fin de vos jours ou allez-vous réessayer? Bon, allez, bon, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard, on sait que c'est là. Donc ça c'est une des missions que l'on a. On va la... on ne va pas la surveiller, on sait qu'elle est là. Ah oui, 60 000 quand même au niveau du pognon. On va retourner plutôt sur cette mission là-bas là. Donc on est reparti. C'est celle-là. Donc ça, ici, la créature a... on s'en fiche de ça. Ah non, j'ai... attends. Ah, je l'ai paumé cette mission-là. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est...
Ok, bon bah j'ai paumé cette mission. Ça fait rien, ça fait rien. Apparemment c'était timé. Et j'étais pas au courant. Ouais bon allez, hop. Oh, toi tu t'achètes pas mal ça. Oh, ça aussi. Alors, qu'est-ce que tu as? T'as pas les trucs de sécheresse, toi? Putain. Qui les aurait? Ça c'est quoi ça? Simulation de légèreté. Ok, d'accord. Saint-Bernard. D'accord, ouais. Putain, après que ça coûte. Bon allez. Donc ça c'est quoi? C'est garde antique, vin de marbre, la carrière. Bof, ça on s'en fiche. Ça par contre ça peut être intéressant pour si on trouve l'espèce qu'il nous faut. Donc non, parce que je voulais. Au revoir. Ok. Donc pas davantage d'axes commerciaux pour le moment. On a toujours ça là-bas. Ça là-bas, qu'est-ce qu'on. Non, j'ai toujours pas les bâtiments qu'il me faut. Alors, au niveau vie. Je me rapproche un petit peu. Et par contre, on n'a aucune autre planète habitée les alentours. Ok, ici il y a des créatures, ici il n'y a rien. L'épice rose apparemment ça vaut le coup, mais bon voilà quoi. Ok. Les axes commerciaux. Ah là-bas, là ici ça se. Ça se complète. Ça se complète, ça se complète. Donc ok. Où est-ce qu'on pourrait aller d'autre? Il y a par là, j'ai pas vraiment découvert. On va essayer d'aller plus par là. Tiens, par là il y a quelque chose d'ailleurs. Mais apparemment c'est une planète à eux, donc on s'en fiche. Des nouvelles créatures. Ah ouais, mais ils sont pas encore en. D'accord, ils sont encore qu'à l'étape de guerre. Merde, je suis à court de. Je suis à court d'énergie. Faut que je me ravitaille. Bon bah ça fait un, je peux me ravitailler un par sec, donc c'est bon. Bon, ça va me coûter cher mais je vais pouvoir me ravitailler. Allez. Donc on peut pas rentrer en communication avec eux ou 12, 13.
Ah, pas grave. Donc eux, pas encore assez évolués. Mais à surveiller. Donc, ici. Bon, on va plutôt... On va par là. Par ici, rien. Ici, apparemment, ça sonne pas. L'appareil, c'est ici. Ah. Désolé pour le bruit. Oula, d'accord, c'est les Grox. Ok, d'accord. Alors là, je me dépêche. Ok. On va se mettre en attaque, hein. Ils sont là apparemment. D'énergie. Ouh la vache. C'est violent comme attaque en plus. Ouais bon bah j'ai quitté, je suis revenu. Bon alors surtout pas ça. Peut-être la collection des chapeaux d'été qui n'a pas plu. Humour. Bref, nous avons une urgence, hein? Pas le temps de parler. Oui, mais... Bon. Pourtant, j'y étais, hein. Bon, donc, ben, eux, bon, ben... Notre alliance a été mise à mal, si on peut dire. Sinon, au niveau axe commercial, là c'est presque terminé. Les deux là sont presque terminés. Hein. Celle-là. Donc, j'espère que ce sera avant la fin de cette session de tournage. Et après, on verra. Après, on verra sur d'autres. Comment? D'autres circuits. D'autres espèces. Pour les axes commerciaux, mais après. Bon, donc pour le moment rien d'intéressant sur cette partie là-bas. Juste des planètes qui sont en cours de développement. On va aller voir à 8 parsecs d'ici ce que c'est là. Alors ici on a des alliés. Enfin des alliés, on a des. Ouais, oui, des alliés. Ici on sait pas ce qu'on a. Alors. Ok, on a des créatures. Ici aussi. Ok. Donc pour le moment, on n'a pas d'espèces
en plus à qui communiquer, excepté peut-être nos ennemis là-bas avec qui on pourrait éventuellement voir pour plutôt s'associer. Mettre fin à la guerre, c'est faisable, hein. Il suffit de payer. Vu que l'argent, ça résout tout. Mais... Oh là, attendez, je viens de voir que... Comment ça se fait ça? Comment ça se fait que j'ai perdu toute ma vie comme ça? Bon. On va refaire le tour également de nos planètes. Parce que là, donc ici c'est bon, mais je suppose que depuis le temps, voilà. Depuis le temps, les choses ont évolué. Putain, les choses ont évolué et... On peut créer davantage d'usines. Ça c'est industrialisation à mort, hein, évidemment. Non, donc ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche aussi. Donc ça. Non, pas ça, mais non, allez, on va créer des maisons. Non. J'ai dit des maisons. Ah, une maison ici. Une maison ici. Ici. Ici ça me va. Et si je crée une maison ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien, donc on va plutôt mettre une usine ici. Ok. Optimisation. Pas vraiment d'optimisation ici. Alors si par contre j'ai vu. Voilà. Suivant, suivant, suivant. Ici, ça se... Ouais. Donc, ok, juste une maison. Est-ce que je peux optimiser tout ça? Apparemment, non. Ok, ici, ça a évolué. Ici, ah oui, ok, ici, il n'y avait vraiment rien, quoi. Bon, bah ici donc on va mettre une petite maison ici, on va commencer par mettre le complexe ici. Non, le complexe. On va mettre un complexe ici. Donc déjà productivité, hein. Après le bonheur ça vient après. Désolé les gars. Bon, ok, donc usine ici. Alors, usine ici, ça a posé problème. Donc on va peut-être inverser les deux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ici, ici, et on va mettre un petit complexe. Non. Un complexe ici. Pour rajouter une usine là-bas. Voilà, on fortifie énormément notre planète, hein. On s'occupe un petit peu.